Allez, bonjour à toutes et à tous, et ici c'est Landron pour le cinquième épisode de mon Let's Play sur le jeu Mount & Blade Warband saison 3. Et donc là, il faut qu'on réfléchisse. Il faut qu'on réfléchisse correctement. On venait de prendre dans l'épisode précédent le château de Weya. Voilà, donc on avait récupéré ce château, sauf qu'on avait laissé personne dans le château histoire d'eux. Parce qu'il fallait qu'on pense un peu nos plaies, donc là j'améliore les unités. Il va falloir qu'on réfléchisse de manière posée et correcte. Parce que là, on va avoir un problème. Je vais vous expliquer pourquoi. On avait déjà vu le début du problème dans l'épisode précédent. Toc, on améliore les unités. On a plein d'unités à améliorer. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que là, on vient de récupérer des héros qu'on avait paumés il y a un bout de temps. Voilà. D'ailleurs, ça me fait penser. Ils servent à rien, c'est cool. Je viens de regarder, ça sert à rien. Au moins, ça ne m'oblige pas à recorriger ma petite fiche. Alors, c'est vrai que moi, je suis aussi monté de niveau. Je suis aussi monté de niveau. Ce qu'il faudrait, c'est que j'améliore aussi le charisme de manière à augmenter le sens du commandement, même s'il est déjà très fort. Il est déjà très très fort. Mais bon, il n'y a pas trop le choix. Ah oui! Je peux encore l'augmenter d'un niveau. Et bim! Et bim! Niveau 7. Alors, donc du coup, je peux accéder à 109 unités, ce qui veut dire qu'on va faire des grosses, grosses bastons. Alors là, la question, c'est qu'est-ce que je fais? Parce que là-bas, on peut pas les voir. Voilà, il y a une grosse, grosse, grosse armée qui tue. Là, je la fais pas toute seule. Il y a du 126, du 109 et du 77. 77, encore, je pourrais le faire. Ça pourrait être plausible. Oula. Assiégé? Ah merde, il est tout seul. Ah bah attendez. On va attendre ici un certain temps, parce que de toute façon il veut... Ah oui. Merde, j'aurais dû... On va attendre ici un certain temps. Il va y avoir une baston là, je sens... Attendez, on va quitter. Voir ce qui se passe par là. Oula, 300 contre... Allez. Merde. Attendez, on va essayer de les contourner. Hop. On va les aider. 221 contre 144, on va aller les défoncer. Vous allez voir, ça va être trop cool. Ouh. J'ai dit, tenez cette position. Voilà, on les laisse attaquer et ensuite on va pouvoir y aller. Allez! Alors attendez, maintenant on peut y aller. Voilà. On était quelque peu mauvais jusque-là. En tout cas, mon coéquipier avait l'air de se faire un peu défoncer. Mais là, ça va un peu mieux. Voilà. Ah! Qu'est-ce qu'il m'a fait l'autre? Alors, attendez. Voilà. Je regarde un petit peu, nous on a 0 blessé, 0 mort. Eux ils en sont à... Ils ont 9 morts par contre. Ils ont quelques unités qui viennent d'apparaître, y compris des... Des cavaliers qui puent. Je suis trop loin. Alors attendez, parce que là, il y a beaucoup de monde. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Ah la vache, j'arrive pas à en toucher. Voilà. Non, pousse-toi, tu m'as cassé dans mon élan. Voilà. C'est en train de faire un massacre, de toute façon.
C'est un bordel. Alors il va y avoir des nouvelles unités qui vont pop, non? Ah non, 5 contre 52, je crois qu'on va en faire une partie. Ah, raté. D'accord, il en restait un là. Ok, première partie du combat terminée. On a eu que 4 blessés chez nous, ce qui est très bien. 201 contre 82, bon, bah allons-y, hein. Ça augmente ma renommée, ce qui augmente doucement mon nombre d'unités. Mon nombre d'unités par perso. Oh là là. Ah oui, on peut être chargé là. Ça par contre ça va être la galère le combat là. Tiens, le lancier, ferme ta gueule. Tiens, voilà, casse-toi. Non mais je te fais un massacre. C'est bien parce que ça permet d'augmenter largement mes points d'expérience. Même si maintenant il me faut plus de, c'est plus que des points d'expérience qu'il me faut, c'est carrément des baquets d'expérience. Oula, par contre là je suis un petit peu dans la mouise. Ah, pourquoi j'ai... Oula. Voilà, voilà, il fallait que je m'écarte. Les tirailleurs qui essayent de faire un massacre, on les en empêche. Ils se font défoncer, je trouve ça génial. Après, je crois que j'ai mis le jeu en facile depuis le début de la partie. Ça peut être, mais je trouve ça quand même bien cool. Parce que là, de toute façon, la cavalerie, c'est toujours très puissant. Dans la plupart des récits, la cavalerie, c'est quand même le truc qui défonce bien. Un blessé, d'accord. 198 contre 35. Allez, boum. On doit avoir encore un max d'unités prêtes. Ils ont beaucoup de cavalerie, je trouve, quand même. Saranide, c'est pas trop censé être la cavalerie. C'est pas vraiment... C'était quoi le truc qui m'a empêché d'avancer, là? Il y avait quoi? Dites-moi. Je sais pas qui hurle comme ça, mais ça fait du bruit. Ah, je fais 0 kill pour l'instant. J'arrive pas à les choper, ils meurent tout de suite. Ah là, je crois que j'en ai fait un. Reviens là. Casse-toi, casse-toi, casse-toi. Allez. Oh la vache. Comment j'ai pu me rater? Bon, voilà. C'est win, c'est pas win? Ah non, il en reste. Laissez-le moi. Voilà. Ah ah, il y a eu des héros qui update de niveau. Update, ça veut rien dire. Update de niveau qui monte de niveau. Voilà. Alors. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Je crois qu'il en reste un. Bientôt zéro. Ah là, c'est bon. Et c'est le win. Zéro blessé, zéro... C'est n'importe quoi. Ah là là. De rien, je t'ai aidé. D'accord, il y avait un Jarl qui était dans le coin. Toc, je vais récupérer le petit truc, hein, des cavaliers, tout ça. Capturer des ennemis, c'est toujours bien, ça se vend bien, tout ça. Alors, qu'est-ce que je peux vendre qui est utile? Il n'y a pas grand-chose, ça se vend pas très cher.
toute façon, c'est pas ça l'intéressant. Donc là, grosse baston. Aïe, là aussi. Et bim! Deux armées qui viennent. Non, trois armées qui viennent de me rejoindre. De constant 2. On continue les grosses bastons. Hein. En plus, ça, c'est de la plaine. Attendez deux secondes, tenez cette position parce que là, ils vont. Ça va être le bordel des armées, là. C'est marrant qu'on soit les seuls à fournir des troupes cavaliers. Bon, allez-y. Ils ont pris un peu d'avance, c'est suffisant. On avance. Ah, c'est un épisode qui va être placé sous le signe de la grosse baston, je sens. Bah, c'est bien cool, parce que du coup, ça veut dire que on avance. Raté. C'est marrant, ils ont pas du tout les mêmes unités, j'ai l'impression. Alors. Alors. Ah, il y a des nouvelles unités qui sont arrivées. Ah, et puis toutes mes unités qui sont en train de monter de niveau, c'est parfait tout ça. C'est une très bonne nouvelle. Vraiment, quand on arrivera à faire des... On pourra faire des groupes de 200. Je peux vous dire que n'importe quoi, on va leur rouler dessus. Ah là, voilà. Ça, c'est bien. Ils ont des recrues nordiques. What the fuck? Qu'est-ce qu'ils foutent avec des recrues nordiques? Ah oui, c'est vrai qu'il y a des... Mais non, ça change pas, là. J'allais dire qu'il y avait des... Des morceaux du sultanat des Saranides qui ont été mangés par celui des Nords. Sauf que ça change rien en fait. Ça change pas la nationalité des unités du village. Ça change juste leur allégeance, mais pas la nationalité. Dire que ça devient pas des recrues des Nords. Bim! Par contre, effectivement, ils en ont beaucoup. Ah oui, il en reste un. Défoncez-le avant qu'il ne s'échappe. 36 plus 8. 37 plus 8, on en a fait à peu près la moitié. Pas exactement. 45, ouais, 45, il en reste 57. On continue d'attaquer. C'est très bien tout ça. Même si j'aimerais bien des bastons avec un peu plus de difficulté. Je pense que ça va être le cas dans pas longtemps quand il va falloir qu'on s'essaye à attaquer des grosses villes. Parce que là, il va falloir qu'on récupère des grosses villes, c'est important. Parce que juste récupérer des châteaux, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Parce qu'il reste quand même des grosses villes à récupérer pour vraiment... Oh la vache. J'arrive pas à faire quoi que ce soit. Allez, poussez-vous! J'arrive pas à en tuer en fait. J'arrive tout juste à les blesser. Voilà. Et oh! Ah oui, c'est que des archers nordiques. Hein. Oula! J'étais sur la ligne de pop. C'est un peu perturbant. Viens là, viens là, viens là. Tu ne t'échapperas pas. Voilà.
sont tous en train de s'enfuir. Mais ils se font déchirer. Il en reste deux, je sais pas où ils sont. Il reste un là. Oui, lui, il va mourir. Ça y est. On les a tous éliminés. Les 57. D'accord, il a pu se barrer. Bon, la recrue, on va la laisser. Donc voilà, du coup, on aura pu sécure totalement le château. Ce qui est une bonne nouvelle. Voilà, le château, il va plus être assiégé pendant longtemps, je sens. Quant à moi, je vais retourner à Chariz, m'occuper du... De mes... comment ça s'appelle ? Zut, de mes prisonniers. Voilà. En espérant qu'il y ait toujours le rançonneur. Évidemment que non. Ok, ok, ok. Alors, attendez, on va s'occuper du groupe maintenant, parce que là, il y a pas mal de persos qu'il faut monter de level. Voilà, l'arbre à l'étrier vétéran, tout ça, tatia. C'est tout bon. Il n'y a pas tant d'unités que ça qu'il fallait que je monte. Alors, Hartenheimer, est-ce que tu fais partie de... Oui, toi, t'es tactique. T'es tactique, donc... tactique, tactique, c'est Intel. Ah, bon, on peut pas te monter plus. Du coup, je vais te monter sur 2-3 trucs qui te permettront d'éviter de crever comme un idiot. Voilà. Ah, te monter à ça. Il faudrait vraiment que je t'équipe aussi, hein, parce que t'es pas génial. Mathilde, est-ce que tu sers à quelque chose, toi? Non, tu sers à rien, donc je peux te monter un peu comme je veux, je vais te monter à attaque. Voilà, c'est très bien. Ok, alors là, je regarde un petit peu la carte. L'idéal, ça serait soit de prendre Nara, mais ça va être compliqué, parce que il faudrait aussi prendre le château d'une lune. Ça va être la galère. Soit on va plutôt s'occuper du château de Karaf. Oui, le Karaf comme la carafe, mais sauf que ça s'écrit pas pareil. Reveran a contre chevalier. Non, mais c'est pas Reveran qu'on veut. Moi, je veux savoir le sort du château de Weya. Château de Karaf, 160. Ah oui, non, ok, d'accord. 130, je le fais pas. Hein. 160, je veux bien. 200, attendez. 100, 200, 270, ouais, non, je le fais pas. Je veux bien. Tenter des trucs à 160, mais pas des trucs à beaucoup plus. C'est pas possible. Emir Iwan. What? Énorme! Sous mon nez, le mec, il est passé de Emir à Jarl, tout de suite. Pouf! Ok, d'accord, bon, bah, ça va régler le problème, hein. Il va falloir qu'on s'attaque à d'autres endroits, plutôt du côté du château du Nune. On va y aller. Ah, et du coup, il est passé nord en mode ninja, le mec. Total ninja. Ah ah. Je t'ai vu, toi. Est-ce que tu vas plus vite que moi? 3,1. Ah non, tu vas aussi vite. Sauf que je suis en train de te rattraper, ce qui est quand même... Un peu idiot. Lâche. D'accord. On va charger. Là, même si je suis tout seul, j'ai envie de dire que là, ils ont 40 unités, moi j'en ai 100 et des patates. On va charger, ça va être... Un joli petit massacre. Mais il faut bien entendu ne pas oublier qu'il faut affaiblir les troupes ennemies. C'est pour ça. Affaiblir un maximum les troupes ennemies, c'est important pour pouvoir ensuite prendre correctement les divers forts. Allez! C'est tellement n'importe quoi. Allez, nouveaux ennemis arrivés. Comment ça, je l'ai pas tué? C'est tellement le foutoir avec tous ces, ces cavaliers dans tous les sens.
Allez. Mais c'est le LOL. Allez, hop, petite victoire. J'ai pas fait grand chose. Là, on avait un blessé quand même. D'ailleurs, ça fait penser qu'on est pas loin de notre pays natal, entre guillemets. Oula, attendez, il va falloir que je regarde un truc. Oui, oui, il va falloir que j'achète de la bouffe. J'ai pas fait gaffe, mais il faut vraiment que j'achète de la bouffe. On va retourner vite à Almar. Oh, il y a du monde là. Quoi? Attendez, parce que là j'ai un problème. Help me! S'il te plaît. Ouh! Alors attendez. Oh. Piège. Wow! Qu'est-ce que tu m'as fait là? Allez, crève. C'était ça les bandits? Et bim, 200 deniers. Alors attendez, parce que là il est dans le château et il veut pas m'aider l'autre. Je vais juste m'occuper de ça. Hop, hop, hop. Je prends de la peau. Prendre de l'huile. Tiens, il faudra que je file le canasson à quelqu'un. Parce que là j'ai genre plus du tout de... Ah, des céréales ça se vend bien. Ça s'achète bien. Hop, j'ai plus du tout de nourriture. Voilà. On va faire ça comme ça. J'ai obtenu 1056 deniers. Ok. Voilà. Taverne. Y a-t-il un rançonneur? Garde de caravane. Troubadour nomade. Non. Attendez, il faut faire vraiment gaffe. Parce qu'il est en train de piller le village qui me gère quand même. Ah, il y a un tournoi. C'est le moment de faire un tournoi, les gens. Groupe ennemi de taille moyenne. Mais non, ça c'est pas de taille moyenne. C'est le sultan, c'est le roi. Je fais... Si vous sortez, on peut se le faire. Vous sortez, on peut battre le roi. C'est ça, ça pourrait être génial. Mais non, vous voulez pas sortir. Du coup, voilà, statu quo pour l'instant. Et je continue de gagner pas mal d'argent, ce qui est une très bonne nouvelle. Tiens, ça fait penser, je vais peut-être... il y a des comptes, machin. D'accord. Château de Waya, les mecs, ils supportent lui. Comte Mathéas, dis-moi que tu vas m'aider. Ok, d'accord. Lui, il supporte moi. Bon, je sais pas trop à qui reviendra le truc. Je suppose que le roi va me dire fuck it, t'as trop de fièvre déjà. Ce qui m'énerverait un peu. Bon. Il me saoule. J'ai pas envie qu'il pille mon village. Et en même temps, je sais que... Voilà. Hop. Et en même temps, je sais que je pourrais pas me le faire. À moi tout seul. Donc... J'aimerais bien un petit peu d'aide. Vas-y, contrôlant. Tu m'aides ? À nous deux, on peut se le faire. À nous deux, on peut se le faire. Oui ! Oui ! Oui ! 262 contre 250, sachant que c'est le roi, il va falloir tenir. Ça va être un petit peu la galère, parce qu'il a des grosses unités. Bon, nous aussi, mais lui, on a des grosses. On a des grosses, hein. Oui, oui, ce n'était pas Salas. On fait gaffe. Ah ouais, 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 ça va être... c'est pile l'égalité. D'accord, je vais aller chercher les unités à pied, comme ça, ça va les ralentir un peu. D'accord, sauf si, évidemment, j'arrive pas à les tuer. Wow, wow, wow. Là j'ai eu de la chance parce que c'était un lancier le mec. Oh, raté.
Ah. Voilà. Alors faut se méfier parce qu'il a déjà tué deux de nos unités. Sachant que ça pourrait facilement monter à plus. Les nouveaux ennemis sont arrivés. Oh la vache, on a eu deux morts chez nous. Allez, on se regroupe un peu. Qu'est-ce que tu fous là-bas, toi? Voilà, c'est évidemment pour éviter ça que... Alors, attendez. Parce que là, ça va devenir vite compliqué. Si je gère pas... Oh la vache. Oh là là. What? D'accord, j'ai plus de... Voilà, j'ai plus de cheval. Ça fait bien longtemps que ça m'était pas arrivé, ça tient. Donc là, méfiance. De toute façon, c'est le roi. Hein. Le roi, c'est toujours la galère. Oh. Aïe, oui. Waouh, waouh, waouh. Help me. Voilà, c'est bon. Il me faudrait un canasson. Je regarde, on a 5 morts. Voilà, boum. L'avantage, c'est que eux... Et oh! Eux en ont beaucoup plus des morts. Non, compétences d'équitation trop faibles. Compétences d'équitation trop faibles. Ah, j'aurais dû monter les compétences d'équitation. Ok, pour l'instant, ils en ont largement plus que nous des morts. Mais il faut se méfier quand même. Viens là. Reviens là. Ok, d'accord. Raté. Ok, d'accord. Il doit rester quelques-uns. Il doit rester un. Bah, ça a été un peu la galère quand même. Bon, là, il va être considérablement affaibli. Mais pour l'instant, ça a été un peu la galère. Alors, nous, on a 6 tués, 10 blessés, donc... Ouais, d'accord. Eux, 67, c'est pas mal. 244 contre 184. Tenez cette position, tenez cette position. Reculez de 10 pas. On va attendre un peu. On va attendre un peu, parce que... Ils vont nous foncer dessus encore. Donc voilà, j'ai récupéré un canasson. Méfiance, méfiance. Je sais pas trop qu'est-ce qui va arriver en face. Alors, ça arrive pas très vite. Alors, à moins que ce soit vraiment des grosses collines, je suppose que c'est des unités à pied. Parce que je me déplace bien plus vite qu'eux. Ah oui, c'est des unités à pied. Bon. On va attendre un peu. Hein. Ils vont venir s'embrocher. On va laisser passer les... Ah oui, c'est que des arbalétriers, eux. Il y a des lanciers derrière. J'aime bien, eux, ils font tous dos à l'ennemi. Allez, on y va. On va réfléchir un peu, on va laisser les arbalétriers tirer un petit peu. Hop, voilà.
que évidemment là ils sont beaucoup à tirer, donc c'est toujours assez puissant. Et nous on va les faire charger maintenant. Pour faire... Ah la vache. Voilà, que je serve à quelque chose un petit peu sur cette game. Allez. Voilà. Ah, normalement, de nouveaux ennemis sont arrivés. On va faire tenir la position. Parce que là, c'est des cavaliers. Oh, oh, oh. Boum! Le cavalier Saranid qui vient de se prendre un mois arrivé à toute allure à côté de lui. Il a pas aimé. Alors. Voilà. De nouveaux ennemis sont arrivés encore. Bon là ça va, on gère un peu mieux. Oh la vache. Je fais un massacre en première ligne. Ouais bon, sauf si... Évidemment, il y a toujours ce problème d'inertie de fou. Ah, je lui ai pété son bouclier. Bon, alors. Voilà. Est-ce qu'il reste des gens? Ouais, ouais, il en reste plein encore. Il en reste plein et ça arrive au compte-gouttes. D'accord, c'est des tirailleurs. Ah ! Il a eu le temps de tirer avant moi. J'ai envie de dire, là, faut charger parce que sinon ils vont tirailler à la gueule. Comme des idiots. Ah non, non, non. Pff. Allez, poussez-vous. Ils m'ont assommé un héros, la bande de sagouins. Et là, là, c'est quand même largement mieux. On a largement mieux géré notre truc. Je regarde un petit peu, là. 46 plus 13, ils sont à 59. Ils ont perdu 59. Nous, on a perdu 4 unités, parce qu'il y en a 4 blessés. Et nos alliés 14 pour juste situer. Voilà, là on est au double, quasiment au double d'unité en plus. Zut, merde. Oh, pourquoi j'ai fait ça? Bon, mais on a encore perdu plein. C'était pas ça, parce qu'on perd beaucoup plus d'unités quand on... Quand on les envoie directos. Reculer de 10 pas. S'il vous plaît. Ouais, c'était pas la bonne option. Parce que là, du coup, on a perdu pas mal d'unités bêtement. Ah oui, mais en vrai, c'est quoi comme unité qui est en face? Bon, on va peut-être les faire charger, en fait. Alors non, je vais juste faire suivez-moi. Follow me! Oh, je regarde mon chrono, ça va encore faire un épisode de 20 plombes, parce que là, couper là-dedans, ça va être compliqué. Ça aurait été un épisode de baston complète. Coucou. Oula. Le mec s'est pris une violente branlée. Alors, on continue de bien les déchirer. Ah oula. Encore des tirailleurs. Nous sommes actuellement en train de les défoncer.
Raté. Encore? Ça va, vous en avez pas marre des tirailleurs là? Ah, il m'en assomme quelques-uns quand même. Hein. En même temps, au bout de la deuxième fournée de renfort. Allez, pousse-toi! Raté. Bon. Viens là. Raté. Ils me l'ont tué avant, le salopio. Il doit en rester deux, ils sont où? Je suis pas loin. Il en reste un. Il est encore vivant. Ouais, c'est bon. Ok, tranquillou, tranquillou, tranquillou. Bon, deux blessés, c'est pas très grave. 198 contre 24. Bam. Elle a rien à foutre, on charge. Hein. C'est la win. Et on aura vaincu le sultan. Et donc là, ça va être clairement la merde pour eux parce que ça veut dire qu'ils ont très très peu de grosses armées en... de disponibles maintenant. Parce que là, on vient de leur virer sur l'épisode, je sais pas. Oula. Donc je disais, après avoir été brutalement interrompu par la sonnerie de ma porte d'entrée, que sur l'épisode, je sais pas combien d'unités on leur avait défoncé. Mais ça faisait beaucoup. D'ailleurs, on voit que les rats commençaient à quitter le navire. Avec les changements d'allégeance, tout ça. Du coup, c'est une bonne nouvelle. Je sens qu'on va s'occuper, durant cette guerre, de tout le... de tous les sultanats, enfin de tout le sultanat de Serranid. Et ça va être un peu la fin pour eux. Par contre, on va galérer parce que le royaume des Nords, il va se retrouver un petit peu chez nous, du coup. Ce qui est une mauvaise nouvelle. Allez. Il en reste combien? 2, plus qu'un, plus 0, c'est fini. Et bim! Et bim! Relation avec contrôlant. Oh là là, plein de... Oh, j'ai le sultan prisonnier. Si c'est pas beau tout ça. Oh là là. Je suis trop un... méga trop bon. Cheval de chasse. Des chevaux c'est toujours très bien. Ils ont pas des super trucs. Et bam, il y a vraiment pas dans la taverne, y a vraiment pas de rançonneur là. Si. J'ai des prisonniers. Faisons un peu de thunes. Voilà. Du coup, le sultan, il peut même pas refaire d'unité parce que je l'ai récupéré. Là, il va galérer. Je sais pas trop quoi en faire d'ailleurs. Faudrait peut-être que je regarde comment on fait pour s'en occuper. Voilà, voilà. Donc, du coup, on va arrêter là l'épisode parce que là, il fait quand même 40 minutes à mon chrono. Ce qui est quand même beaucoup, sachant que je pourrais pas vraiment correctement couper dedans. Étant donné que bah, c'est un épisode de baston et la baston, c'est toujours intéressant. En tout cas, on avance bien étant donné que on a récupéré... En fait, non, on n'a rien récupéré. J'allais dire qu'on a récupéré un château, mais en fait, non, il est passé au royaume des Nords sous notre nez. On n'a rien récupéré, mais on a fait un gros massacre dans les rangs ennemis. Du coup, je pense que prochain épisode, on va s'occuper du château d'Unun. Parce que si on récupère le château, on est directement face à Nara. Et ensuite, on espère que la prochaine campagne que fera le royaume des Rodox s'occupera de Nara, sinon on s'en occupera tout seul. Allez, on essaiera, on verra. En tout cas, j'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo. À vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et puis quant à moi, je vous retrouve dans 4 jours pour la suite de cette aventure. Allez, salut tout le monde, portez-vous bien!